Dan Herbert. Grande blonde dans la quarantaine, Anne vivait à Marin, un des 10 comtés les plus riches du pays, où elle s'occupait de résidence durant l'absence des propriétaires, travaillait ici et là et se débrouillait. C'était dans un restaurant de Sausalito qu'Anne avait écrit la phrase sur un apron de papier après l'avoir retournée dans sa tête pendant des jours. C'est merveilleux, dit un homme assis tout près. Et il la copia soigneusement sur son apron. J'aime bien m'occuper des nouveaux appartements comme ça, enfin de le remettre au propre. Je sais qu'il y a des nouveaux locataires qui vont arriver bientôt. Je trouve ça plutôt sympathique de les voir arriver, de leur présenter le lieu où ils vont se poser quelques jours. Parfois on discute, parfois ils ont envie qu'on les laisse tranquilles tout de suite. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours des belles rencontres. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais rencontré une seule personne ou même un seul couple qui était franchement désagréable. Voilà, là, c'est... Bonjour, excusez-moi, je vous dérange, vous êtes... Ah, non, non, pas du tout. Vous étiez avec quelqu'un, non? Ah, non, c'est que je... Parfois, je parle toute seule. Mais ça m'arrive à moi aussi. Bonjour. Bonjour. Anne. George. Bonjour. C'est vous qui avez réservé l'appartement? Oui, c'est moi. Mais peut-être que je suis là trop tôt. Ah non, pas du tout, je venais juste de terminer. D'accord. Je vous en prie, entrez. Je prends mes bagages. Excusez-moi, c'est que je viens d'arriver, je me suis un peu perdu, je ne connais pas la ville et... je suis nouveau, je suis tout seul, enfin voilà, je... D'accord. Là, vous trouverez ici... Oui. Plein de petites documentations sur les musées, les visites à faire. D'accord. Que je vous conseille, quand vous ouvrirez cette fenêtre-là en grand, vous avez une vue immanquable sur la mer. Ouais. Une balade sur la digue avec un petit restaurant qui s'appelle Au Large. Ah. On en dirait des nouvelles. D'accord. Sinon, vous avez tout le linge et tout ce dont vous avez besoin par ici. Oui. La salle de bain est par là. Ah. La chambre ici. D'accord. Et ma foi, vous faites comme chez vous. Vous aussi? Enfin, je veux dire... Je suis pas censée rester là, non. En fait. Vous devez avoir envie d'être tranquille et de vous reposer. Non, bon, ça va, je... vous avez un bel intérieur. Enfin, c'est bon, enfin, je veux dire, vous êtes... C'est des bons aprons, enfin, c'est... Je suis contente que ça vous plaise. Ah oui, c'est... J'aime beaucoup. Puis c'est grand, enfin, je veux dire, pour quelqu'un de seul, en tout cas. Ah, je vis pas ici. Hein. Bon? Non, non, je m'occupe de préparer les différents appartements. Ah, d'accord. Là, oui, et de les préparer pour les gens qui viennent s'installer. D'accord. Bah écoutez, je... Ça va vous paraître un peu cavalier, mais je vais prendre ce napron, puis je vais vous laisser... Mon numéro. D'accord.
Je ne voudrais pas se faire de mal. En tout cas, pas tout de suite. Je me suis permis d'entrer, c'était fermé. Je ne dérange pas. Tant pis. Non. On va être bien ici tous les deux. Hein? On va être bien. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais de l'argent? Oh non, non. Je veux juste du bonheur. Oh! Un peu de joie. Oh! À partager, évidemment. Je ne suis pas égoïste. Êtes-vous David? Qui la demande? Le demande? Ah, j'en perds mon français. Une ancienne rencontre, une très ancienne rencontre. Je sais très bien qui tu es. Entre. Alors ça y est. Te voilà. N'avais-je pas prédit pour toi un destin? Alors tes croyances, hein? Alors? Voilà. Voilà ton avenir. Non. Ah non? Non. Ça, c'est vous, ici et maintenant. Vous avez fait quelque chose de terrible, monsieur. Oui, vous avez mis dans le doute dans l'esprit de ma mère. Vous l'avez ravagée de l'intérieur. Elle était fragile, elle était enceinte, elle était heureuse. Et vous avez insinué comme une araignée, comme un serpent. Ouais. Du malaise dans son esprit. Bien sûr. C'est de votre faute. Ça n'avait pas passé son temps à croire, à penser à toutes ces conneries. Elle aurait vécu au lieu de finir enceinte à 15 ans. Il en avala rapidement plus d'une dizaine. La propriétaire le surprit. Que fais-tu dans cet arbre? Lui demanda-t-il. Le propriétaire. Je fais comme tous les oiseaux, expliqua Nasreddin. Tu ne prétends quand même pas être un oiseau? Mais si. Mais quelle sorte d'oiseau es-tu? Un rossignol. Si tu es vraiment un rossignol, il y a une liaison un petit peu. Il faut me le prouver en chantant. Nasreddin soupira profondément et émit quelques sons discordants. Le propriétaire du verger éclata de rire. Je n'ai jamais entendu un rossignol chanter aussi faux. Toi qui sembles connaître le chant des oiseaux, expliqua Nasreddin, tu devrais savoir qu'un rossignol qui vient de manger les abricots, aussi acides que les tiens, ne peut plus chanter correctement. Je suis la fille du propriétaire, montre-toi! Je sais qu'il t'a enfermé, montre-toi! Je ne peux pas! J'ai peur de lui! Tu m'avais dit pourtant que c'était facile, qu'on pouvait manger ce qu'on voulait! Je suis désolée, je pensais pas qu'il allait t'enfermer! Je pensais surtout pas que t'allais dire que tu étais l'équivalent d'un rossignol! Mais si, mais voilà, on fait de grandes cages maintenant! Écoute! Je n'ai pas trouvé la clé. Mais cette nuit, avant qu'il se couche, je vais lui donner un filtre qui va l'endormir. Et à ce moment-là, je pourrai faire du bruit dans sa chambre. Je suis convaincue qu'il garde la clé auprès de lui. Fais-moi confiance.
confiance. Je reviendrai avec cette clé. Je compte sur toi, hein? Oui. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai fait exactement ce que j'avais prévu. Je suis rentrée à pas de loup dans sa chambre. Quelques 2 heures plus tôt, je lui avais gentiment offert un verre de lait avec un élixir de sommeil dedans. Ce que je ne savais pas, c'est que il a pris le verre, j'ai cru qu'il le buvait et je suis sortie tout doucement, mais il ne l'avait pas bu. Lorsque je me suis engagée dans la chambre à pas de loup, au début je ne me suis rendue compte de rien. J'ai poussé la porte. Je connais bien la chambre. Il n'y a pas de problème. Sa table de nuit est juste à côté. Qui va là? C'est toi le chat? Dis donc, sale bête! Tu vas finir au placard! Tu me blâmes! On est mort de ces animaux qui sans cesse m'emmerdent. J'avais récupéré la clé. Je ne me doutais pas du tout de ce qui allait arriver. J'ai couru vers la cage de Nasreddin. Nasreddin, j'ai ta clé. Enfin. Ça ne marche pas. Comment ça ne marche pas? Ça ne marche pas, je ne comprends pas. C'est pourtant la seule clé qui était sur sa table de nuit. Mon père ne dormait pas vraiment. Il s'est bien amusé à me faire passer pour un chat. Il est apparu juste à ce moment-là. Et finalement, d'un air sévère, il m'a regardé et il m'a dit « Tu es une traîtresse !» Et il a ouvert la cage et m'a enfermé dedans avec Nasreddin.